Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft avec ce robot complètement lourd, soyons honnêtes, hein, ce robot complètement lourd. Et donc on va enfin pouvoir le tester directement en game. Je doute que le double méga soit vraiment utile. Faut rester appuyé sur la touche, hein. En tout cas, ça c'est plutôt efficace, je dois le reconnaître. Ok. On va essayer d'aller voir nos copains maintenant. Hop. Oh. Ah, ça c'est un platoon qui a mal tourné. Si j'arrive à toucher mon adversaire, ce serait bien. Ah mais non, espèce d'abruti, passe pas devant. Ok. Alors pour monter, c'est très très dur, chers amis, hein. C'est très très dur. Soyons honnêtes. On va véritablement en chier pour monter. Je suis curieux de voir s'il est vraiment utile d'avoir deux méga launchers. Ok. Ok. Hop, voilà. On a pu l'achever. Maintenant, faut remonter assez vite. Mais on est extrêmement lourd, chers amis. On est extrêmement lourd. Honnêtement, je pense que ce robot n'est pas efficace. Vraiment, falloir que je retrouve le, que je fasse le robot qu'on a vu dans l'autre game là, qui était véritablement sympa à regarder. Ok. Lui, il réussit à nous échapper. Ok. Il n'y a pas un missile qui a touché. Donc ce robot est bel et bien inefficace. Tu veux bien exploser, s'il te plaît? Les missiles qui font pas de splash damage alors qu'ils font des dégâts explosifs. Allez comprendre. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai fait des dégâts seulement? Est-ce que j'ai tiré seulement? Hop. J'ai bien un petit coup de heal, c'est gentil. Hop. Voilà, merci. Oups. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est même pas censé fonctionner ce truc là normalement. Enfin, il est pas censé être dans notre groupe normalement. Mais bon, c'est comme ça. Ok, il y a une F1 en plus, là autre chose. Ok, bon, après c'est niqué. Où est-ce qu'ils ont mis les trucs? Faut rusher le spawn. Bah non, t'es fou, toi, t'as rien compris encore. On va plutôt essayer d'aller choper la tour. Ok. T'es fou, mon bon ami.
Mais c'est vrai qu'on est extrêmement lourd, chers amis. C'est pas bon. Il est clairement pas bon, ce robot. Mais je pense d'abord que je vais aller voir... Ah, ça m'embête d'aller voir. Ah, aussi, je vais aller voir parce que je peux payer sans le truc, je suis bête. Je suis stupide. Allez, pousse, pousse. Faut pas exagérer non plus. Allez, allez Marcus. Ah, dommage. T'es même pas censé être là, toi. Oh là là. Oh non, mais ça c'est pas censé être possible. Une arme, ça fait pas partie du robot, c'est un module. Il faut un cube. Il continue à se déplacer à sa guise en plus. What? Ok. T'es sérieux là? Merci. Bien vouloir mourir. Donc on a un robot qui est très très lent. Non, je pense qu'on peut l'oublier, ce robot là. Ce robot, on l'oublie, chers amis. Moi, je vais essayer d'aller choper leur tour. Ok. Bon, ça c'est un échec. Ça c'est un échec. Oh là là. Comment je vais atterrir moi? C'est bon, ça repart plutôt bien. Alors, on y retourne. On remonte tout doucement. Oh là 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 là, bah on redescend. Allez, pousse. Pousse. Pousse, te dis-je, pousse. Oh, c'est dur, hein. Ah non, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Allez, 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 oh putain. C'est parti. Non, non, ce robot n'est pas bon. Ce robot n'est clairement pas bon. M'en fous. Bla. Ok, je me suis fait défoncer. Bon, tout ça pour ça. On a réussi à remonter la colline, mais tout ça pour ça. Comment ça peut être efficace, ça? Ouais, ouais, ouais. Allez, on y retourne, on tente notre chance. Allez, pousse. Hop. Et meurt. T'es sérieux? T'es sérieux? Qui c'est qui me parle encore? Je rappelle encore une fois, chers amis, c'est bien, il en a parlé avant, mais que c'est moi qui dis quand il y aura Platoon. C'est pas à vous de venir réclamer. Quand on réclame, moi, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Hop. Ces missiles tellement autoguidés qu'on comprend pas pourquoi ils sont pas plus autoguidés que ça. Oh génial. Génial, génial. Tiens, la bouffe ça. Ouais, les missiles qui lui passent littéralement au travers. Pouah.
petit robot qui tente des choses en allant en full contact. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ok, bon bah ça se passe assez mal hein. Faut dire notre robot est pas hyper efficace hein. J'y vais. Même si on va sûrement se faire attaquer par là aussi hein. Soyons sûrs qu'on va se faire attaquer illico. Bonjour. Même pas ? Oh, intéressant. Ce lag entre le moment où il y a contact et après le son. Hop. Merci quand même. Non, j'ai qu'un tir. Hop. Eh ben non. C'est tout ce que ça te fait comme dégâts ? Oh. Ok. Voilà. Oh, ce spam ! Ce spam de spotting qui est stupide à souhait. Hop. Hop, les, parfait. Vas-y, viens. Merci le jeu. Ce jeu qui m'encule. Ce jeu qui m'encule deux fois de suite. Merci. Ce jeu qui m'encule trois fois de suite. Merci le jeu. Merci le jeu. Merci le jeu. Merci le jeu qui m'aura enculé à sec suffisamment longtemps pour que je puisse me faire défoncer par devant. Bon. Alors toi, de toute façon, je sais pas à quoi tu sers, hein, soyons honnêtes. Hein. J'ai pas encore compris. J'ai même pas encore compris comment tu te déplaçais d'ailleurs. Bon allez, un petit rush sur la base ennemie, là, puis c'est bon. Oh, y'a personne pour prendre une tour. Ça y est, y'en a un qui y va. Regardez ça. Bah non. Je croyais qu'il y allait, mais... Ah non, c'est pas lui. Je vais quand même essayer de choper la tour. Hein. Ah d'accord, il utilise les bums pour se déplacer, c'est pas con. Il est en train de se faire défoncer. Et moi j'arrive pas à me soulever suffisamment vite. Ce robot, vous pouvez l'oublier. Putain, il m'a vu. Fait chier. Oui, non, pas le bon côté. Quel dommage. C'est quoi ? Ah, c'est un putain de shotgun. Génial ! Génial, génial !
Enfin que lui il pourrait y aller avec sa SMG sur le haut quand même. C'est deux SMG sur le haut. Mais on a compris que vous voulez rush hein. Ah non c'est bon, ils veulent aller à la tour. Bien, bonne réponse. Bonne réponse à ceux qui veulent rush. Alors. Oui. Aïe. Bon, ça c'est fait. Il va falloir remonter maintenant, mais regardez le temps que je mets à remonter au niveau 11, quoi. Oh my god. Bon, ça c'est clairement une astuce, chers amis. Hein. Hop. Est-ce qu'il a emporté son autre ami avec lui ou pas? Apparemment oui. Il n'y a plus qu'un poil de cul à faire au niveau du dégât. Hop. Ok. Ok. Là, il y a un gros wipe. Oh. Oh, ça touche! Ça a touché deux fois! Oh, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, grosse partie avec un robot qui n'est pas forcément efficace. Parce que trop lent et pas assez maniable, du coup, forcément. Donc, on va quand même choper une diamond. C'est pas mal. C'est pas mal. On s'est plutôt bien débrouillé, donc, malgré le robot. Alors, qu'est-ce qu'on va choper dedans? D'accord. Rien de bien terrible, à vrai dire. Rien de bien terrible. Je reviens, chers amis, à l'instant. Re, chers amis, alors malheureusement, le robot du monsieur Resso, là, avec le super robot hélicoptère, n'est pas dans le shop. C'est véritablement dommage. Véritablement dommage. Donc, nous voilà avec un robot qui, en fait, est beaucoup trop lourd, tout simplement. Beaucoup trop lourd. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, tout simplement, supprimer cette partie-là? Faire ça comme ça. Et gagner en poids sur les côtés. Tout simplement. Hop. Ici aussi. Je parlais de gagner en poids, mais je suis en train d'en rajouter quand même un bon paquet aussi à l'intérieur. Hop. Essayons de voir si on peut pas mettre un long rod. Hop, parfait. Ok. Hop, ici aussi. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a là qui m'empêche? D'accord, étrange. Ok. Faisons ça comme ça. Ah mince, j'étais pas en... Oh merde. Fait chier. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la même quantité? Non, il m'en manque une.
Il m'en manque une. Ok. Ok, donc ça a dû refaire des trous de l'autre côté, de toute façon c'est cool. On va essayer de refaire ça par là. Hop. Et on verra bien si c'est identique de l'autre côté. Hop. Apparemment, c'est pas trop mal. C'était bon, c'était bon. Bon, bah écoutez. On va remettre tout ça. On devrait avoir gagné méchamment en vitesse, de toute façon. Est-ce qu'on devrait pas rajouter une arme, du coup? Question. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Ça pèse combien? Ça pèse 340 kg, mais bien sûr. Ça pèse 1300 kg, d'accord. Juste question, si je rajoute ça de chaque côté, est-ce que ça passe? Ça passe, sans problème. Et au niveau du vol, ça donne quoi? Parce que ça se trouve, il peut être efficace. Hein. Le temps qu'on fasse l'autre robot de Monsieur Ressol. Ah. Ah. Peut-être un peu plus de performance, effectivement. Il y a un suivi au sol. Donc bon. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Eh bien écoutez, on va rester là-dessus. Et on va repartir avec. A tout de suite, chers amis. Chers amis. Alors, on va bien voir si c'est efficace ou pas. Alors. Déjà, il me semble beaucoup plus rapide. Beaucoup plus facile à monter en hauteur. Hop, pensez que je suis à l'envers. Parfait. Hop. Ok, on recule. Il va quand même me toucher. Non, je suis hors de portée. Je suis plus ou moins à portée. Merci de pas vouloir m'aider, de me coincer. Tu es une véritable plaie. Et tu passes en vidéo, au passage. Ok. Ah putain. Si je me fais spammer, je me barre, hein. Ce robot qui devrait peser 3 tonnes. Hop. Voilà. Ok, on va se faire défoncer. Et la cadence de tir de cette arme a été complètement amoindrie. Génial. Hop là. Dommage. J'ai essayé de me barrer, je n'ai pas réussi. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas con comme planque ici par contre pour un sniper. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Eh merde. Ok. Ok, je me fais défoncer partout où je vais.
C'est con, je suis pas du bon côté. Et il tourne pas, dommage. C'est efficace son truc. Ok, on y retourne. On va essayer de rechoper la tour quand même, merde. Ok, c'est cool. Allez, on se barre. Allez. Oh ! Quoi ? Il m'a tiré dans le bouclier ! Il m'a tiré dans le bouclier ! Ça se fait pas ! C'est pas con, j'aime bien son principe à lui. Effectivement. Si je me fais avoir à chaque fois par cette saloperie, ça va pas le faire. Je l'ai joué jusqu'au bout. Je l'ai joué jusqu'au bout, mais je me suis fait U. Je me suis fait U. Snipe le, mais snipe le truc. Dommage. Je vais essayer d'en faire le tour. On va perdre toutes nos tours là, c'est pas la peine. Oh la gueule! Et donc, est-ce que son arme compte se faire péter la gueule ou pas? Parce qu'entre lui qui le finit pas et Non mais c'est pas la peine, moi je surrender déjà là. Il se fait défoncer par l'arrière. J'aime bien leur booster, hein. Leurs boosters sont vraiment stylés. Hein. Ne cherchez pas les mecs, c'est fini. Hein. Mais putain, t'es pas sérieux là? Hop. Ok, donc ce robot est... Hop. Ils l'ont eu. Choper la tour adverse. Ok. Hop. Oh putain, il a un shotgun en plus encore à corps. Mais c'est génial tout ça. Ouais, et puis y'en a qui déconnectent en plus. C'est génial, c'est une super game. Bon bah ce robot, je crois que je vais l'abandonner. Abandonner. Et je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Ça pourrait être sympa. Pourrait être sympa.
Oh putain. Quoi? Oula, puis il y a des... Oula, il y a des cubes qui apparaissent à l'écran, même en zone de tir. Ils sont quand même un petit remissile là pour avoir autant de traînées. Ouais, ouais, ouais. J'ai ma petite idée, chers amis. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée, on va essayer de la réaliser. On verra bien si c'est efficace ou pas. Ça reste assez fragile, mais très rapide, en fait. Regardez ça! Il est solide comme tout, ce truc-là. C'est stylé, remarque. Mais bon. Avec ce machin-là, là, qui fait des dégâts complètement monstrueux. Joli! Oh, c'était presque trop beau. Oh, c'était d'une magnificence. C'était d'une magnificence, chers amis. Ok, bon, bon, on va se faire défoncer, de toute façon, c'est pas grave, hein. Je commence à avoir l'habitude. L'habitude, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Hop, de toute façon, ça fait plus rien, ce truc-là. Oui, parce que maintenant, le truc, c'est de faire des armes qui font soit trop de dégâts, soit qui n'en font pas. C'est le truc de Free Jam, ça, en fait. Ah, va falloir arrêter. C'est moi. Moi qui décide quand je fais des platoons. Éviter de réclamer. Et quand je parle à quelqu'un, il y en a un autre qui vient me recharger. Coucou. Hop. Et attention, je répondrai pas à tout le monde. Là, je réponds parce que j'ai le temps, mais sinon, je répondrai pas à tout le monde. What the? Mr. Wick, c'est qui Mr. Wick? Qui m'a piqué mon kill? Non, c'est pas grave, je vais mourir. Oh. C'est la fin de la game, c'est pas grave. GG. Tu recodes. Nié, pas compris. Bref. Bon. Bon, bon, bon. Double défaite. Qu'est-ce qu'on a dans le Rusted? Wouah, du caca. Il y a beaucoup de caca dans le Rusted. Ok, bon. Dismantle. Dismantle, dismantle, dismantle. Essayons quelque chose. Essayons quelque chose, chers amis. Ou alors j'essaie dans le prochain épisode. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Essayons. Hop. Hop. Crac. Crac. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors. Si je veux mettre, j'en ai pas, j'en ai que deux. Oh bah dis donc, je suis vexé. Ça comme ça. Ensuite, imaginons que je veuille
Hop, je vais mettre ça d'abord comme ça d'abord pour... Ah mince. Si je supprime le cube en question, c'est pas bon. Ça comme ça. Et ensuite... J'en ai pas non plus. Et j'en ai là. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, vous allez comprendre pourquoi. Ça va m'obliger à écarter un peu en fait. Ok. Hop. Crac. Ok. Voilà. Alors déjà, est-ce que ça se déplace? Comment ça se déplace ça? Comment ça se déplace? Voyons voir, faisons des essais. En hélicoptère, si l'hélicoptère est touché. Ok, on peut revenir sur terre. Et là, c'est les jambes qui prennent le dessus. Mais on a beaucoup de mal à tourner. À cause des jambes en question. D'accord, donc il me faudrait en fait des jambes de plus. Ou au moins une de plus. Pourquoi pas rajouter... Question, celle-là, c'est quel niveau? 3900, 43000. Donc c'est passé la niveau à intermédiaire. 40 flops, 44. C'est la niveau intermédiaire, c'est un peu dommage. Je vais la mettre derrière. Ah, du coup, elle est plus petite. D'accord. Du coup, elle est beaucoup plus petite. Oula, j'ai déplacé tout ça. Faut que je remette tout comme il faut. Semble que c'est bon. C'est bon. Ok. Ok, ok. Falloir qu'on fasse aussi une armature. Hein. Ok. Ok, voilà, déjà pour ça c'est pas trop mal. Ensuite, il nous faudrait de la vitesse. Pour ça il n'y a pas 36 000 moyens. Il faut qu'on garde un maximum d'équilibre. Alors ici, on donne, ça nous donne quoi visuellement, enfin efficacement en déplacement. Alors, voyons voir. En plus, je spie pas dans le bon sens, et une fois que je booste, c'est catastrophique. Une fois que je booste, c'est catastrophique. Je les ai pas mis dans le bon sens, donc on va recommencer tout ça. Remarque, c'est peut-être une idée. C'est peut-être une idée d'en mettre deux dans deux sens différents. Permettre de repartir dans l'autre sens, en fait, très rapidement. Ok, donc si j'arrive pas à le faire lâcher, on tourne en boucle. Ça me semble logique. Ça me le semble logique. Essayons autre chose. Essayons autre chose. Si j'en mettais une deuxième, ça passerait ou pas? Hop. Est-ce que ça serait utile? Visuel. Enfin, efficace. Est-ce que ce serait efficace? Est-ce que ça m'empêche de tourner d'en mettre une deuxième? C'est ça la véritable question en fait. Pas vraiment. Par contre, là où ça pourrait être utile, c'est d'en mettre aux deux niveaux. De réaliser en fait la même chose en haut et en bas. On va essayer. On va essayer. On va essayer, on verra bien. Je suis curieux de voir. Je suis curieux. Hop. Voilà, normalement on est plutôt bon. Oui, c'est bon. Ok.
Voilà. Alors. En mettre donc un peu moins, parce qu'il me semble qu'on va pas en avoir suffisamment sinon. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Est-ce que là, au niveau du vol, c'est plus équilibré, plus propre? Oui, beaucoup plus. Par contre, j'ai bien, bel et bien mis des choses à l'envers. J'ai encore tout mis à l'envers. Enfin, mis certaines choses à l'envers. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'essaie des choses, hein. J'essaye des choses. Hop. Je suis là pour essayer, chers amis. Soyons d'accord sur un point. C'est pas les bonnes. Dommage. Faut absolument qu'on puisse poser pied à terre. Est-ce qu'on peut poser les pieds à terre déjà? Ça, j'ai pas vérifié. Ce serait bien. Oui, on peut. Ensuite. On a tendance à se diriger toujours vers le bas. Ce qui n'est pas une bonne chose. Du coup, il faut qu'on compense. Pour compenser ça, il va nous falloir des boosters. Des petits boosters à l'avant. Des tout petits boosters à l'avant. Hop. Est-ce que ça compense suffisamment d'en avoir 4 à l'avant? Apparemment oui, on peut même compenser même un petit peu trop. Mais c'est efficace. En plus on se déplace en se plongeant vers le bas, donc c'est plutôt bon. Hop. Crac, pourquoi pas. Ok. Ça c'est bon. Ensuite. Ensuite, il me faudrait de l'équipement. En équipement, justement, je trouve que ça a été très efficace. Oui, je vais entrer dans le mode d'édit du robot. Bien sûr, bien sûr. Je suis là pour ça, c'est ce que je cherche à faire. Je fais un robot. je suis en train de faire un robot. Pourquoi tu me dis qu'il faut que je rentre dedans? Hop. Ok. Ok. Voilà. Ok. Rajouter du poids à l'avant est une très très bonne idée vu que ça va permettre de compenser en fait le... Même peut-être qu'en passant simplement... Un petit peu d'hélium à l'avant, ça pourrait déjà suffisamment compenser. On verra. On verra le moment venu. Là, on a de quoi prendre une tour. Pas forcément se défendre, mais prendre une tour. Maintenant, il faudrait qu'on compense un petit peu les faiblesses de notre robot. Là, par exemple, ça passe pas. Ok. Voilà, c'est déjà plus efficace comme... comment ça s'appelle? Comme... mince. Comme défense. Et ici, je rajouterais bien... ceci. Hop. Ça vous semble peut-être anodin, mais je pense que ça peut être efficace. Ici, c'est plus pour une question de style. Hein. Ici aussi, ok, là c'est bon. À l'intérieur. Alors, est-ce que si j'en mets 2 de 3,
Parfait. Parfait, parfait. Hop. Parfait. Très, très bien. Très, 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 très bien. Hop. Hop. Ok. Vous allez voir pourquoi je suis content que ça soit comme ça en fait. Parce que normalement ça veut dire que là je peux. Hop, voilà. Crac. Et donc rajouter au centre. Une chose plus ou moins identique. Et là ça vient toucher donc c'est dommage. Hop. Voilà, non, c'est bon. Hop. Hop. Crac, crac. Je sais pas si ça va être solide, à vrai dire. Hein. Mais j'y crois. Ça peut être sympa. Surtout, ça peut être rapide à être utilisé, en fait. Surtout. Hop. Ok. On refait pareil ici. Ok, parfait. À l'intérieur, est-ce qu'on peut rajouter des trucs comme ça? Oui, on peut. Ok. Ok. Et ok. Refaire ça en bas. Alors comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Ouais. Attendez, faut que je retourne voir. J'ai fait un cube là-haut. Voilà, d'accord. Ok. J'ai même pas fait comme ça, j'aurais pu, remarque. Hop. Ah, bla. En espérant que ça vole toujours au moment opportun, hein, quand on en aura besoin, pardon. Hop. Et enfin. Tiens, pourquoi je peux pas le faire ici? Ah, parce que j'ai pas mis celui-là. Hop. My bad. Hop. C'est ma faute. Voilà. Bon. Est-ce qu'il vole toujours? Est-ce qu'il se déplace toujours correctement, en fait? Normalement, il est censé être assez léger. Oula. Ok, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. J'ai oublié de rajouter les défenses à l'arrière. On va les rajouter. C'est pas prévu de faire ce genre d'action tout de suite. J'ai oublié de rajouter les défenses à l'arrière. Hop. Hop. Il me semble même avoir dit que c'était pas la peine, mais alors en fait que si, parce qu'en fait ça nous permet de me placer tout simplement. Hop. Ces cubes, est-ce qu'ils rééquilibrent une partie du robot? Ok.
Donc ça, c'est bon. Niveau propulsion. Je vais sans doute avoir besoin d'un petit peu de déplacement sur le côté. Hop, parfait. Ce qui devrait pouvoir me permettre tout simplement d'augmenter ma capacité à faire des virages en fait. J'aimerais rajouter sur les côtés. Hop. Peut-être ceci plutôt que ça. Oh, quoique. Quoique ça me permet d'être sûr de partir comme il faut à l'avant. Et du coup. Ou alors je l'ai fait comme ça. Merde, je peux pas. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Du coup, en fait, si je veux baisser, ça va être problématique. Si je veux retomber, pardon. Si je veux redescendre, comment je fais? Laissez-moi descendre! Non, ça marchera pas, je pense, si j'hurle. De toute façon, dans l'espace, personne ne nous entendra crier. Hop. Ça c'est bon. Et donc je peux en rajouter autant à l'arrière. Enfin, autant, tout est relatif. Hein. Je peux déjà rajouter ça, tu me diras. Remarque. Non, je peux faire ça aussi. Ok, commencez là au niveau du déplacement. Faut qu'on s'assure que tout fonctionne. L'objectif de ce robot, c'est pas de faire des dégâts, c'est d'aller récupérer les tours. Le plus vite possible. Hop, si je veux me baisser, je me baisse et je marche. Parfait. Est-ce qu'on pourrait pas lui rajouter une arme ou deux pour être sûr de pouvoir, par exemple, en dehors des tours, pour pouvoir sniper, par exemple. Ça pourrait être une idée. Je peux rajouter 4 petits snipes. C'est pas très efficace, hein. C'est pas la plus grande efficacité. Est-ce que seulement je peux les mettre en fait? Au moins en mettre deux quoi. Non, pas ici en tout cas. C'est pas dit que je puisse les mettre en fait. Hein. Hop. Ok. Est-ce que par exemple ici je peux les mettre? Je peux pas en mettre. Apparemment non. Est-ce qu'ici je peux le mettre? Apparemment non plus. Sans plus je vais m'écarter, plus je vais m'approcher du bord. Donc en fait, l'intérêt serait peut-être plutôt de partir dans ce sens-là. Non plus. Passe pas. Bon. Bon. C'est bien dommage. Donc. Ou alors tout simplement, j'ai ce qu'il faut en longue. Ah, là ça passe pas par contre. Donc ça ne passe pas non plus. On va être à court, chers amis. À court d'idées bien sûr, hein, je parle. Hein. Tout simplement ici. Ah mais là je peux plus mettre mes trucs. Si je passe comme ça. Non, plutôt ces armes-là.
Ok. L'avantage, c'est qu'en plus, elles font sens. Ça fait sens. Alors, pourquoi tu ne veux pas? Parce que ça touche. D'accord. Est-ce que je peux rajouter tout simplement? Vous allez voir, ça va être très très simple. Ok. Ok, bon. Mais écoutez, on va le peindre, chers amis. On va le peindre en... En gris. En noir. Le noir, j'utilise beaucoup, hein, je sais bien, chers amis. En beige? Non. En orange? Non. En rouge? Allez, on va le peindre en rouge. Soyons fous. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense qu'il a été bien long. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, de partout dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!